Bon, bah mon cauchemar s'est réalisé, mais il s'est assez bien passé. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi, malheureux, derrière toi. Il y a du passage, faut pas croire. Bonjour. Hey, tu me préviens quand c'est mon tour. Hein. Oui, quoi? Tu avais entendu la moto derrière? Bah, j'ai fini par l'entendre. Ouais. Oui. T'as vu le shader de l'eau? Ils ont utilisé un beau shader. Non, mais t'as raison, c'est vrai que. Quel shader Minecraft ils ont utilisé? Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. L'eau de la rivière. Bah, ici, on voit qu'elle est largement. Vraiment plus large. Hein. Ouais, il y a plus de flotte. Punaise. Bah, plus en volume, pas forcément. Mais le fond est peut-être plus bas ici. Mais. Elle est. Non, elle passe de manière deux fois plus étroite, compactée dans Nancy. Ça fait bizarre de la voir aussi large. Ouais. Alors, je. On va essayer d'explorer par là. Ouais. Est-ce que ça me ramène? Non, on va rester. Je regarde s'il y a un chemin ici. Donc ça, ce serait Clocher d'Ars-sur-Meurthe. Oui, oui. D'accord. Là, on voit un îlot. Attends, autant qu'on profite de la... Oh, ça me fait bizarre de me dire que je me tiens au-dessus de l'eau. Ça me fait trop bizarre. Ah! Oh! Bon, on sert à droite. Bonjour! Je savais pas que l'endroit était fréquenté par des Men in Black. Quand je l'ai vu bien accoutré en homme. Ouais, c'est. Oula, ça m'a fait bizarre, le décor ne s'y prête pas. Oh, château d'eau. Ah, un jour, il faudra qu'on passe dans la visite de Nancy Intramuros. Il y a un quartier qui a un château d'eau qui a été rénové en appartement. Je crois que j'en avais déjà précédemment parlé lors d'une ancienne balade. Et j'avais eu le témoignage de quelqu'un qui connaissait un des occupants locataires de l'appart dans l'ancien château d'eau. Et ben, il paraît que c'est sympa. Et j'avais fait la remarque, vous savez pas si c'est chiant pour passer l'aspirateur et le balai, c'est hexagonal à l'intérieur ou c'est vraiment circulaire? Je sais plus ce qu'il m'avait répondu, mais j'avais bien rigolé. Ouais, beau champ de blé, ouais. Mais c'est mûr avant juillet, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah les récoltes sont décalées. Du coup, les grains sont moins gros, moins hydratés. Et voilà, du coup, ils sont obligés de. Avance-toi, les cyclistes arrivent en nombre. Ouais, là, il y a le peloton du Tour de France. Ah oui. Eh ben, c'est des enfants. Ouais, ouais, il y a tout un groupe scolaire là. Ouais. Ah oui, il y a du monde. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh là là, ouais, c'est bien. Eh ben, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien, une belle troupe. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui profitent du beau temps. Je sais plus, j'avais verrouillé. Non, j'avais pas verrouillé mon zoom. Voilà, maintenant que je sais que je peux le verrouiller, au fur et à mesure des promenades, je finirai par maîtriser toutes les fonctionnalités de la perche électronique. Bonjour et bisous à Poupon. Il y a un bus de ville là, juste là. Quoi? Ah oui, un bus de ville, ouais. Sur la grande voie derrière nous, ouais. Moi, ce qui m'a fait rigoler quand je suis dans la campagne, c'est qu'on était dans un bus de ville sur une autoroute.
c'est impressionnant. Ah, les, ouais. Les véhicules, quand tu regardes en haut du chauffeur, il y a marqué limité à 100 km/h. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'il peut aller sur l'autoroute? On remarque que c'est 90 pour les camions. Et puis surtout, sur l'autoroute, ça va vite. Dès qu'il y a un accident, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans un bus. Donc quand il faut freiner, bing. Tu m'étonnes. Parlons de bus. Outre-Atlantique, États-Unis d'Amérique. T'as vu la vidéo du gamin qui a sauvé le bus d'un accident potentiel sur la voie rapide là? C'est pas Clark Kent? Je sais plus comment il s'appelle. Oui, non, tu parles de Superman là. Oui, voilà. Non, mais sérieusement, l'anecdote est terrible et symptomatique d'ailleurs de notre société contemporaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez, les gros bus jaunes, school bus, bus d'école à l'américaine. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'Américains ont le souci de la malbouffe et font au minimum de l'embonpoint. Certains cas extrêmes sont dans l'obésité, comment on la qualifie, je ne sais plus. Pas obésité infâme, mais un truc dans le genre-là très... Morbide. Morbide, exact, très bien, c'est ça. Merci Nayonet. C'était le cas du chauffeur de bus qui était au volant et qui a malencontreusement fait un arrêt cardiaque à son poste en train de conduire les élèves à leur établissement scolaire. Sauf que le bus était visiblement lancé en pleine allure sur une voie rapide dans la ville. Et il se trouve qu'il y a un gamin à l'intérieur du bus qui contenait une quarantaine de gosses. Le gamin qui était à ce qu'on pourrait appeler la place du mort dans un véhicule, c'est-à-dire la place la plus proche du chauffeur sur sa droite, dans la rangée de droite, là où j'aime bien m'asseoir, on avait déjà discuté dans les bus d'Ayonnais, ce qui me permet de voir la rue, la voie défiler sous mes yeux, comme j'aime. Le gamin qui était là a été héroïque, dans le sens qu'il a vu et il a compris que le chauffeur faisait un malaise cardiaque et que le bus allait être hors de contrôle. Il a pris le contrôle du bus en tenant le volant. Il ne pouvait pas atteindre les pédales, malheureusement, mais il a maintenu le volant et il a maintenu, stabilisé la trajectoire du bus dans sa lancée. Et il l'a bien dit, on l'entend dans la vidéo de la caméra de surveillance dans la cabine du chauffeur, c'est pour ça que la vidéo nous est parvenue sur Internet et vous l'avez sûrement vue puisqu'elle est virale. On entend le gamin dire, se retourner vers ses camarades, « Call 911 ». Appelait le 911, les secours américains. Oui. Il n'y a pas un gosse qui a réagi. Tous les autres avaient leur téléphone pour faire des jeux ou filmer la scène en se marrant ou en continuant leur communication téléphonique qu'ils avaient en cours. Le gamin héroïque était le seul à ne pas avoir d'électronique sur lui, donc pas de téléphone. Et finalement, il se trouve que le bus s'est arrêté de lui-même. Par chance, le chauffeur qui a fait sa crise cardiaque n'a pas eu le pied coincé sur l'accélérateur. Donc au bout d'un certain moment, le bus s'est arrêté dans sa course et ils ont pu être sauvés. Je crois même d'ailleurs que le chauffeur s'en est sorti vivant avec un massage cardiaque quand les secours sont arrivés. Et le maire de je ne sais plus quelle ville américaine, ou le chef de la police, je ne sais plus comment ils sont organisés, peut-être le shérif local, comment ils sont organisés aux États-Unis d'Amérique, l'avait récompensé lors d'une cérémonie officielle en mairie. La vidéo est facilement trouvable sur Internet. Et ben bravo au jeune homme américain qui aurait été exemplaire et tous ses autres camarades passagers du bus qui ont réagi comme des gros nigauds, surtout qui couraient à leur propre perte en fait. Oh. Parce que là ils avaient une forte probabilité de se manger une collision frontale, pas forcément avec un autre véhicule, mais carrément avec le décor, donnait pas cher de leur peau. Donc le chauffeur était en mauvaise santé par un obésité morbide. Bah. On n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que c'est un facteur aggravant pour faire des infarctus et des arrêts cardiaques. Là, manque de bol, ça lui arrivait en plein service alors qu'il transportait des gosses. Donc heureusement que le jeune homme était intelligent et ben, on va attendre. Là, on est à Arthur-Meurthe, je crois. Tiens, on va filmer les travaux. Arthur-Meurthe, centre. Ouais, je vais faire un 360. Là, je vais plus savoir. Je suis sûr que j'aurais pas ma chemise estivale et ma casquette. Il y en a qui pourraient me croire automobiliste, qui pourraient me croire étant flic avec un radar. Ah, je suis persuadé que ça, j'en ferai flipper plus d'un. D'ailleurs, dans la première seconde, ceux qui m'aperçoivent, ils doivent se poser des questions. Allez, je vous fais un petit 360. Ah, j'ai une pensée pour Dashevman.
Tu sais pourquoi, Nayonnais? Non, je vois pas quand tu parles. Chartreuse de Beaucerville. Ah, oui. Voilà. Voilà, le mot là suffit à Nachevman. Voilà, l'image, est, je la bloque, elle est dédicacée. Voilà, cette image est pour toi, Nash. D'avoir juste Chartreuse en panneau. Il a fait un 180 degrés, il reste encore 180 à faire. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, alors c'est con, il n'y a plus de bagnole, et puis j'ai traversé, au moment où j'aurais fini mon 180 degrés, il va y avoir un bus, un train, tout ce que tu veux qui passe. Ah bah attends, il y a plusieurs bagnoles qui... Hop, je sais pas, c'est... il tourne. Attends, il y a du monde. Putain, ça fait chaud. Bon, je sais pas, il y a encore du monde. Oh. Attends, j'essaie de filmer le clocher, moi, du coup. Ouais. C'est bon. C'est bon. Quoi ? Nécropole de... Le souvenir français. Nécropole napoléonienne, monument et temps des morts. Non, sérieux ? Attendez. Oula, faut pas que je perde ma pêche. C'est là où elle est bien. Incroyable, mais vrai. Ah, intéressant. Ah, bah c'est beau par ici. Eh, hey, moi j'ai envie de m'approcher du château d'eau. Enfin, je sais pas si tu connais, non? Tu vas me dire que tu connais pas du tout? Non, alors je suis déjà venu quelques fois ici en randonnée avec des associations, mais c'est en hiver et puis ça fait longtemps. Très longtemps. Ah, j'ai pas filmé là-bas. Jarville. La même ville là. Mmh. Ou alors c'est la ville directe. Centre aéré. Mmh. Alors, hop, je lève tant qu'il y a des voitures. Voilà, là, j'abaisse une fois que les voitures sont passées. On va zoomer un peu. Mode zoom. La 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 la. Ah, la voiture. M'a fait peur, la voiture. Donc. Je voulais aller jusqu'à Ars-sur-Meurthe. Bah, le Ars-sur-Meurthe, je pense que le clocher est là-bas. Oui, c'est donc. Ça. Tu vas aller jusque là-bas, ensuite on fait demi-tour. On mange là-bas. Alors, moi, on va essayer d'y passer, pas en longeant la voie rapide qui est dans notre dos maintenant. Oui. On va aller là. Non, ouais. On va tourner à droite. De toute façon, c'est une piste cyclable, donc. Je vais marcher derrière toi quand même. Ouais, oui, que tu te fasses pas happer, mais. On n'est pas censé se faire renverser. Oui. Normalement. Et là, un tracteur nous fonce sur les gueux. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez pu le voir depuis le début de la promenade commentée sur Twitch, mais il a une belle chemise de sage. Non. Oh oui, bah, vous la verrez, merci, vous la verrez au... Et tes chemises, elles sont aussi lisses, tu les repasses ou c'est une textile exprès? J'ai failli dire, vous la verrez pour le dessert, tu sais, le mettre en mode coquin. Vous la verrez quand on aura le déjeuner, oui, en posé. La texture ou le repassage, je veux qu'elle soit lisse. Non, c'est la texture choisie. Parce qu'avant d'acheter mes fringues, généralement, je les touche pour justement vérifier la texture, ouais. Voir si je vais en baver au repassage. Ah, oui. Parce que c'est la tâche ménagère que j'aime le moins. Donc j'essaye de prendre des vêtements qui sont pas, soit qui ont pas besoin d'être passés, ou alors qui se portent de manière assez cool froissés. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Là, une de mes chemises d'ailleurs que je peux porter en chemise de costard cravate là qui est saumon, vous voyez de temps en temps avec. Je vous avouerai que j'adore la porter froissée parce que je trouve que ça fait classe. Ça ne tient qu'à moi. Hein. Vous pouvez considérer que je me fringue comme un torchon. Je suis prêt à vous croire. Mais moi, j'aime bien, j'apparais d'une manière aux autres qui me plaît. Oh là là, c'est joli. La la la, la 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 la. On a bien vu de mettre de la crème solaire. Ça tape, hein. Bah, ça tape pas trop, mais oui, je te rejoins. On a bien fait par précaution d'en mettre. Moi, je suis bien content d'avoir ma coiffe et d'avoir huilé mes avant-bras. D'ailleurs, j'en ai profité pour regarder.
Merci à toi d'ailleurs. J'ai 23 degrés, donc ça va. Mais oui, là, il fait bon à 23. Et c'est la rue de Napoléon. Napoléon le premier. Oui. Et pourquoi la perche elle veut plus tourner? Ah. Oh non, pas la route, le bitume on en voit trop souvent. La nature s'il vous plaît. Mais voiture. Ouais, je recule parce que j'étais sur la route effectivement. Voilà. Hop là, oui, je filme au-dessus. Hop, la voiture est passée. Ibi. Ah, regardez par qui c'est la maison. Oui. Oui, bah d'ailleurs, concernant l'intéressé, j'avais que comprendre qu'il était bien bâti et que hors antenne, alors. Je suis pas là pour commenter les rumeurs de people ou des. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, les potins parisiens, mais monsieur a tout pour lui. De là à dire que c'est un Apollon, je ne sais pas, mais beaucoup l'auraient vu dans cette nuit d'Adam également. Et bon. Ah, si c'est un avantage, tant mieux pour lui. Là, tu vois, je suis heureux, ému, ravi de faire cette promenade une nouvelle fois en ta compagnie. L'endroit me plaît beaucoup. Je suis heureux de découvrir un endroit que je ne connais pas. Il n'y a pas de tuture. Allez, je marche sur la route. Il n'y a pas de tuture. La 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 la, instant fleur, instant flowers, flowers. Oh, c'est beau. Une chèvre feuille violée? Oh, je pense pas. Je sais pas, je connais pas les végétaux. Moi non plus. C'est joli. Waouh. Oula, attends, je suis trop près, il me dit c'est flou, c'est flou. Ok, faut que je me recule. Ah, c'est beau. Ah, c'est joli. Il y a même un deuxième clocher juste là. Est-ce qu'il y a un banc pour faire une pause là?
là. Eh ben, on va sous le saule pleureur. Voilà. Oh, c'est beau. Ah, une pensée pour nos ancêtres. Oh là là, aux enfants de Beausserville, morts pour la patrie, durs, les deux précédentes de guerre. Ah ouais, là, pour le souvenir, c'est important. Une pensée pour eux, ouais, surtout les gosses. Oh, dur. Ouais. Eh ben, ouais, qui repose en paix. Oh là là. Ouais. Oh là là, il y avait des soldats de régiment, il y avait des civils. Dur. Oui, c'est un bel édifice. Attends, je me recule un peu du parvis. Ouais, je vous laisse lire. C'est beau. Puis on va se poser pour déjeuner. Ouch. Voilà. Oui, c'est très bien vu. Il a vraiment l'œil. C'est un excellent éclaireur, Nayonnais. Je vous invite à voir votre Nayonnais en promenade. Mais c'est vrai, c'est... Je louperais plein de trucs s'il n'était pas là. Tiens, visiblement, il y a une balle, un jouet d'un chien ou d'un enfant qui est sur le côté de l'église. Jaune pétant dans l'herbe. On ne voit que ça. Oula, oula, c'est la jungle. Ah oui, c'est la jungle. Oh, le plafond est bien bas par ici. Ah. Eh bien... Alors, attends, je vais déployer le... Je continue de filmer, hein, je te préviens. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un suburbain ou un... Je sais pas. Je me demande si c'est pas le bus normal, parce que s'ils n'ont pas changé en 10 ans, changé la ligne, ça correspond à... Je mets le doigt dans le nez, là, tu filmes. Ah bah là Burke, caca. C'est l'instant caca, excusez-moi. Désolé, ouais. Je vous croyais tout seul. Oh. Oui, je cadre pas mal, là. Oui, le cadre est sympa. Peut-être filmer un peu plus bas. Qu'on voit, ouais, au niveau des têtes. Attends. Voilà, attends. Je décale. Voilà, comme ça. J'essaie de trouver le cadrage pour le Miam. Je croise les jambes. Ouais, c'est sympa. Ouais. Bon, allez. Ouais, si tu te détends, t'auras la tête là. Moi, j'aurai la tête juste devant. Ouais. Là, je pense qu'on ne voit pas mon sac. Ouais, ah si, on le voit quand même au premier plan. Ah. Tiens, d'ailleurs, j'embarque le... Ouh, j'ai une grande, Oui, vas-y, démarre sans moi. Moi, je vais déjà souffler avant de manger. Je vais ranger mes papiers qui me trimballent dans le MPS. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma... Ah, c'est un rince-doigts. Ça peut servir. Je vais ranger ailleurs mes effets personnels. Là. Ah oui, j'ai la batterie de secours. Bah d'ailleurs, je vais commencer à recharger. Je vais commencer à recharger. Voilà, je vais mettre ça là. Attendez, excusez-moi, là vous voyez mon bazar du coup au premier plan. C'est un mal nécessaire. Ah bah tiens, tant que je suis posé, je vais reprendre la caméra du coup. Alors je défais ce que je viens de faire. Pourquoi ? Le coup de la farce, si je puis dire, avec Nayonnais, et que je lui ai fait découvrir un truc avec le sac. Nos sacs qui sont des modèles similaires, à défaut d'être identiques. Il ne connaissait pas l'astuce de la petite encoche au sommet avec le casque qui permet de glisser un câble à l'intérieur, donc idéalement des écouteurs, mais moi je fais avec l'USB de recharge, et d'avoir un câble qui peut être extrait depuis le sac, un peu comme un rouleau de cordon d'aspirateur en rouleur, là, vous voyez. C'est très pratique. Et en fait, Nayonnais a le même, sauf qu'il n'en était pas conscient. Eh ouais. Voilà. Oui, c'est pour ranger. Exactement. Un câble. Mais non, c'est pour traverser. Eh oui. Très bien, excellente démonstration. C'est pour ça que je me marrais tout à l'heure.
Alors, je vais refaire mon cadrage du coup. Je vais mettre la casquette avec. Ah, bonne app, je vois que t'es déjà à l'apéro. Mmh. T'as bien raison. Je pense que je te prendrais des chips. J'ai pas envie de saler, je t'avouerai. Mmh. Ça me fait pas envie, tu vois. Je vais t'en proposer, mais bon. C'est très gentil, je sais, te connaissant, mais tu vois, je décline déjà. Tu peux te goinfrer si ça te chante. Mais là, l'idée de croquer du sel, aujourd'hui, ça m'inspire pas. Donc, je refais mon cadrage de tout à l'heure. Voilà, qu'on est. Ouais, un peu de verdure quand même, pas trop de béton. Et je commence à faire la recharge. Ce qui fait que. Je fais comme ça. Je mets la bête ainsi. Le câble sécurité. Oh, la vache, j'ai muselé ma perche contre mon sac, ça peut pas bouger. C'est beau quand même. C'est beau. Hop. Je rechargerai tout à l'heure aussi. Je crois que je peux la mettre en pause, la perche, non? Ben oui, je peux l'éteindre. Voilà. Allez, rechargement. Exactement. Elle en a besoin. Voilà, appareil déconnecté, mais on s'en fout, ça recharge en même temps. Bon, je m'assois parce que je suis tenu à genoux, donc évidemment, j'ai la circulation sanguine qui est pétée. Justement. Quand j'ai vu la plage, je me suis dit, il y a forcément un banc ou une table et un truc comme ça. J'ai cherché de l'œil et j'ai trouvé, je suis content. Bien, chef. Là, j'ai mal au pied droit. Les semelles ne sont pas assez épaisses? Non. À cause de la manœuvre que j'ai faite à l'instant, 5 minutes, t'as accroupi. Mmh. Et en plus, c'est mon pied d'appel. C'est pour ça que maintenant, j'ai super mal au pied droit. Donc là, il faudra que j'attende un quart d'heure avant que la circulation sanguine se refasse. Grange devant nous. Limite étable. Y a-t-il des chevaux? Ah, si je croise un cheval aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais un cheval qu'on puisse approcher. Alors là, je serais heureux. Souviens-toi, la rivière, on a fait des vaches. On avait des vaches proches de nous. C'était sympa. Et autant qu'on voit la nature en vrai. Hein. Ah. Ah, je vais d'abord boire. Je vais boire un coup. Merde, ah bah tiens, j'ai mon gobelet tout dégueu à mon sigle. Oui, d'ailleurs, je ferme mon cochon, c'est ma bouteille, donc je bois dedans. Eh bé, merde. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, il y retourne. C'est l'appel de la nature, ça. J'ai apporté du café. Oui, on voit, il est dégueu. Hein. Je reconnais que dessus, c'est pas très hygiénique, mais tu vois, c'est des cartons qui tiennent. Donc, c'est bien. M'en fous, ça remplit sa fonction de contenant, ça me va très bien. Au moins celui-là, j'aurais bu 50 fois dedans avant de le jeter. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas écolo. Je veux dire ? Dis-moi. Pour le jus du café. Ah, merci. Ouais, mais le café, tu sais que je le prends à la fin. Mais c'est gentil, merci. Ouais, je le prendrai tout à l'heure. Je démarre même pas mon sandwich avant 10 minutes, là. J'ai pas trop faim. Ouais. Moi, j'ai pris tout à l'heure pour la fringale de biscuits, c'est tombé très bien. Ça complétait mon besoin d'apport en sucre lors de la marche. Très, très bien. C'est bon. Très bon, les chips, c'est très salé, très goûtu, très gras.
Une patate, c'est culant, mais ça salit les doigts. C'est collant. Mais dans l'eau est là, mais dans l'eau est là. On met du gras partout. De l'eau fraîche. Ah, avec le chips, ça. Fresh, so fresh. En tout cas, merci d'avoir regardé les gobelets. Oui, mais je t'en prie. Je sais plus, j'en ai tiré deux dans le lot. Ouais. Sur la base, c'était un lot de 10, donc je sais plus combien j'en ai extrait là pour aujourd'hui. Très bien de les avoir pris. Ouais. Oui, bah si. Avec un peu de chance, on se refera la sapinière. La forêt de haies encore cette année. On essaiera de faire soit la zone d'activité la prochaine fois, mais il faudra tracer. Et j'ai repéré enfin la passerelle qui surplombe l'autoroute. Ouais. Et je réexpliquerai le moment venu comment on a merdé. Et qu'on aille soit dans la zone d'activité, soit qu'on aille dans une zone naturelle au cœur même de la forêt de haies, mais pareil, les deux choix, il y a de la trotte. On fera qu'un aller-retour, parce que ça va nous bouffer 3 heures de marche à l'aller, 3 heures. Dans mon sandwich, j'ai mis tomates, fromage, de chèvre, salade et jambon aux fines herbes. Ah oui, alors, fin gourmet que tu es, bon cuistot, tu t'es préparé ton propre sandwich et t'as bien raison. Moi, je suis allé en supermarché, et la facilité, j'ai pris de l'industriel, ça me convient très bien, mais bravo à toi. Okay. Tu fais bien. Mais je me dis qu'on va pouvoir, après la pause déjeuner, avancer encore. On n'est pas tout à fait à la mi-temps. Hein. On n'est pas encore tout à fait à la mi-temps. Je pense qu'on va pouvoir faire les alentours du patelin pendant une heure ou deux. Et seulement après, on rebouche chemin. Il y a largement de quoi faire. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Il y a un panneau avec des nombres là-bas, 20, 60, je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Ah, c'est une bande de bus. Ah oui, mais c'est un arrêt de bus, la boutique que je suis. C'est un abribus que j'avais mal vu, plus que la génération. La végétation est généreuse. C'est la belle saison, donc ça recouvre tout, et mon champ de vision. Et en fait, c'est des lignes, non, urbaines, c'est même pas sururbaines, c'est les lignes intramuros de Nancy. Ouais, bah, il y a deux lignes qui passent ici et qui pourraient nous ramener au centre-ville, toi. On serait handicapé, je sais pas quoi, là, un accidenté, qu'on pourrait remonter chez nous en bus, c'est rassurant. C'est bien que ce soit aussi large. Bien. Avec les chaleurs, il y a un bus encore qui a pris feu récemment. Mais c'était pas, cette fois-ci, c'était pas un bus du réseau interne. C'était un bus externe, je sais plus quoi. Mais bon, il a commencé à prendre feu. Il s'est pas consumé intégralement comme l'autre, qui lui était un gros bus de Nancy. Donc ça, c'est pas cool. Ça fait 1 million d'euros de perdu pour l'exploitant. Donc pas cool du tout. Parce que là, sur la carcasse, à mon avis, ils n'ont même pas de pièce de rechange valable. Ça ne vaudra même pas la peine de désosser. Là. Si tu veux, je sais pas, je t'avais pas montré, mais j'avais pris des fruits. Tu frottes bien, je ne les ai pas spécialement lavés. Après, tu les frottes. Ouais.
J'en ai marre des guêpes qui me tournent autour du crâne et de la tronche. Oui. C'est ton tour. Désolé. Elle est en train de t'inspecter, la guêpe. Surtout, n'aie pas de mouvement brusque. Non, ne la provoque pas. Je sais que c'est tentant de la chasser, mais il faut que tu résistes et que tu sois pas agressif. Parce que si elle se sent menacée, là, elle va devenir très embêtante. J'essaie de me retenir le plus possible. Tu peux le faire. Ah, c'est sûr, hein, c'est dur. Hein. Mais... zen, zen, zen. La même chose, un peu en plus, mais avec la place du bœuf et du comté. Sympa la combinaison bœuf-comté. Vous allez voir de goût ça. Je regagate de mon sandwich commandé à la foire de Nancy cette année. Qui était à base de bleu d'Auvergne, lardons fumés et oignons grillés. Oh, la tuerie! Oh, c'était un délice! Ah non, mais j'avais bavé avant, pendant et après d'avoir dégusté. Une tuerie! Tu vois, je me prendrai le temps de cuisiner. Comme tu fais des sandwichs, je commencerai par là pour être motivé. Dans le même jar, lardon grillé plus oignon grillé, avec de la sauce soja dans des nouilles asiatiques. Je me suis fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis fait une ventrée. Je me suis moins frais, mais je me suis resservi deux assiettes. Au lieu d'en manger qu'une seule, ce qui n'est pas bien, mais c'était trop tentant. Et là, j'ai mangé comme un ogre, mais j'ai pas boudé mon plaisir, croyez-moi. Une question pour vous qui êtes sur le chat de Twitch. Souvent on pose la question, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, quelle est votre pizza favorite ? Avec, revient de manière récurrente le débat, oh les pizzas sucrées salées, c'est génial, ou ça devrait pas exister, hein, y a des pour et contre. Avec toujours l'exemple de la pizza hawaïenne, ananas et jambon blanc. Mais il y a aussi celle que je vous recommande en sucré salé, qui est la chèvre miel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce plaisir, il faudrait que je me le refasse, hein, d'un pur bonheur pour ma part, hein, puisque évidemment tout ce qui est goût est subjectif. Mais, sandwich. Quel est votre sandwich ou combinaison de sandwich favorite dans le chat? Je serais bien curieux de vous lire et de vous commenter. Voilà une question intéressante.
Je repense à AJ Club. Récemment, il a, maintenant qu'il est quasiment en vacances, là, qu'il attend le résultat de son bac, c'est bien, il s'est affairé de nouveau à LMMS ou L2MS, qui est le logiciel de composition musicale gratos. Donc, il se lance désormais, j'ai réussi à l'initier à la MAO, la musique assistée sur ordinateur. Lui, il aime bien la musique rap, ce qui tourne autour, R&B, j'espère ne pas dire de bêtises. Et il me passe ses premières compos, ses premiers essais. Il a de l'avenir. Ah, j'aime beaucoup ce qu'il m'a passé comme... il y a quelque chose. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir l'avis de Pierre Troutman. Comme il bosse dans la musique, je serais curieux d'avoir sa critique. Ah oui, il y a un stop. Je me dis, mais pourquoi elle ralentit sans s'arrêter? En fait, elle a glissé le stop. Tu es un excellent éclaireur. Vous voyez pas, mais... Je vois tout de suite les coins ennemis de Roger von Payerwas. Oui, alors, je te ferai notifier qu'il y a des unités qui se déplacent hors caméra, là, derrière, qui sont en vélo. Et c'est bien, les cyclistes sont peinards. Par contre, je ferai la remarque, cette fois-ci négative. Ah. Aucun des adultes qu'on a vus en vélo ne portait de casque. C'est quoi qu'on entend? C'est des machines avec le papier avec des trous qui tournent la manivelle et ça fait de la musique. Tu crois? Ouais, j'ai n'importe quoi. Écoute, la sonorité était bizarre. À un moment, j'ai soupçonné un vieux téléphone. Juste à notre gauche, on fera jeter nos déchets. Moi, j'embarque mes déchets. J'embarque avant. Non, enfin, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'embarque toujours mes déchets et c'est... Ça finira dans ma poubelle chez moi. C'est un choix. C'est bien. Alors, je voulais... Il restait encore 4 fonds d'eau au chocolat dans le frigo à cuire. Je ne les ai pas pris. Parce que c'était trop tard, j'étais de leur passer. Sinon, j'aurais fait quoi. Mais ils auraient été pas plus fondants, mais durs. Oui, non, c'est pas plus mal que. Ça aurait été trop, honnêtement. Bonjour. Excusez-nous. On a vu qu'il y avait une belle bâtisse. Pour y accéder, vous savez comment on fait? Non, du tout, on n'est pas du coin en fait. On habite à Nancy, mais on ne sait pas où c'est. Ah, d'accord. Parce que. On voit qu'il y a une belle bâtisse, mais ouais, en vélo, pour accéder, on
sait pas par où passer. Bon, bah tant pis. Je vous remercie bien. Je vous en prie. Bah, je vous en prie. Il faudrait localiser la mairie pour le demander éventuellement, mais. Ah oui. Je sais pas où elle est. Pourtant, l'église est là. Genre, le petit patelin, c'est tout proche. Mais. La mairie, vous l'avez vue? Eh ben non, justement. Bon, là, on est au parvis de l'église. Donc, en général, la mairie est pas loin, dans les patelins français. Mais là. Bon, on va aller faire un petit tour là-bas. On va pas. Ouais. Okay. Bonne chance, bonne journée. Ouais, très bonne question. Mais là, on n'a pas la réponse. Ouais. Normal d'abord. Ouais. Je pensais, tu vois, dans la grange là, ils mettent un compte électrogène et puis ils font une latte. Tiens, je serais pas surpris qu'il y en a qui le fassent pour de vrai. Mais le truc, c'est vrai, c'est faut trouver l'électricité parce que est-ce que la ville est alimentée suffisamment pour alimenter les PC, je sais pas, une latte de 150 personnes. Aujourd'hui, oui. À la sortie de la guerre, je t'aurais dit non. Mais... non, aujourd'hui, je ne suis pas déconné. Mais... Alors, c'est quoi que j'ai croqué, moi? Ton Aphrodité, et ben c'était bon. Voilà, voilà. Ah, oh, s'il vous plaît, monsieur qui a du grain à moudre, tout je me attends, permets. Attends, non, attends, je vais te donner un bol propre, tiens. Ah, t'es trop gentil. Mais c'est le tien là-bas, c'est. D'accord. Parce que l'autre, je veux boire un café dans un truc. Oui, tu as raison. Ce serait faire offense à ta. Tu as raison. Ah. Je suis un vilain garçon. Non, c'est un moustique. Stop. Tap. Hop. Merci. Pardon, je fais trop fort dans le village. Et là, tout le monde sort de sa fenêtre et regarde. C'est qui le con qui a hurlé stop? Tu as un petit sablier avec? Non, merci. J'en reprendrai plus tard, merci. J'espère que le café est encore chaud, mais je pense que oui. Bah, j'aime pas quand c'est chaud, mais c'est pas grave. Ah, hein. Mais... ah oui, c'est vrai, tu le veux. Ouais, ouais, moi je bois tout froid. Hop, je mange tout froid, je consomme tout froid. Je... pardon. Café Royal intensité 5. Au 7 CO. Oh là là. C'est pas du café grain moulu, hein. J'ai pas grain, c'est déjà grain. Mmh. Ah, c'est ce que j'avais voulu faire, je voulais chez mes parents débarquer et leur piquer du café chez eux sur leur machine à café là. Je ferai ça la prochaine fois, j'oublierai pas. C'est pas Starlet, c'est ta maman pour la crème anglaise, mais. Ah non, j'ai oublié. Ah, faudrait que tu lui remercies oui. De ma part. Parce que j'avais pas boudé mon plaisir. Infiniment bonne. Ah ouais, la crème anglaise de maman Nayonnais, top du top. Ce que j'avais fait, c'était trop. Alors moi, c'était trop liquide, mais c'était bon quand même. Mmh. Voilà. je me la pète. Vas-y, fais la tienne. Non, mais franchement, non, mais c'était pour être sûr de ne pas confondre. Alors évidemment, comme l'affaire McKenna-Lunay, il a raison, mes gobelets sont dégueulasses. Parce que je les utilise 50 fois pour des jetables. Mais il n'empêche que ça me fait marrer de voir mon site que je me suis annoté sur le gobelet. C'est très bien que tu les 50 fois. Je rentabilise. Hein. Mais ça, c'est tout à fait mon genre. Regarde, ma chaussette pour protéger l'électronique. En temps normal, je l'aurais jetée. Vous voyez, je l'ai recyclée. Je l'ai bien coupée au niveau du talon, je vous avais expliqué. Et la chaussette, elle est nickel. Hein. Je suis pas prêt de la retirer. Hein. Elle fait son boulot vachement bien. Hein. Excuse-moi, c'est notre troisième promenade avec le matos. Rien à redire. Tiens, des petits sablés. Hop. Merci. Allez, je t'en prends un. Merci. Ah là là. Je laisse surveiller les affaires. J'ai trop envie de voir dans le coin s'il n'y a pas un cheval. Ah oui. Je suis obsédé par l'idée de faire un compte d'un cheval.
Non, je vais aller voir, je m'absente 5 minutes. Vous ne serez pas. Oh, il se barre avec un cheval, il se barre avec un cheval. Je dis n'importe quoi, je fais une blague. Ah oui, mais tu parles de cheval, alors surtout je le retrouve. Ah non, non. Ah, tu m'entends bien d'ici. Le sage aimerait bien absolument voir un cheval de ses propres yeux. Ouh, c'est odorant ton produit. Oui, c'est de l'alcool. Vache, ah oui, ça s'évapore. Non, monsieur va... Bah, c'est une voie privée, donc c'est le propriétaire. Peut-être. Je suis allé mettre mon nez là-bas et il n'y a plus de goudron. C'est de la... Ça fait entrée de garage. Ouais. C'est hautement probable, l'ami. Donc nous, on ira par là-bas. Là où on a vu les cyclistes repartir. Ceux qui nous posaient la question. Nous, on va aller là-bas. Ouais. On va tomber sur la voie rapide. Mais pas de vie. Hein. Je vois à l'intérieur, il y a un champ derrière, tout est ouvert. Pas de vie dans la bâtisse, c'est bizarre. Pardon. S'il y avait eu des chevaux, on les aurait entendus plus longtemps. Ouais. Été... Oh, attends, je pose la caméra, tu vas prendre la caméra, ouais. Tu vas balancer toutes tes affaires, tu seras allé courir voir les chevaux. Exactement. Ouais. Je vous aurais fait le remake de la petite maison dans la prairie, mais le taré qui se précipite sur les chevaux. Les chevaux qui se barrent, ils disent merde, mais il est fou cet humain, il veut nous agresser, au secours. Ouais. Ce qui aurait été parfaitement logique. Oh non, mon Dieu. Mmh. Ah, merci Nayonet, tu régales à chaque fois. Ouais, c'est juste un café. Hein. Ah ouais, mais de luxe, merdoum. Je le sens le niveau 5, hein, du grain torréfié et sélectionné avec soin. Ah là là, c'est la boisson des dieux. Et là, tu vois une aura qui sort de mon gobelet. La boisson divine. Alors, attends, je vais reprendre le gobelet parce que j'ai des gouttes qui vont se renverser dans le... Voilà, j'ai un range gobelet
qui faisait renchant de lui. Un sandwich de cette marque, ok, j'avais pas vu que c'était. Ouais, la marque là. Non, on peut dire c'est du Donat. Ça change un peu du Sodebo. Ça, alors le pain était un peu plastique. Là, on sentait que c'était du pur industriel, malheureusement. Ouais. Mais la farce était bonne. C'était du frais, la mouton, crudité. J'ai aimé. Ils mettent un petit peu trop de sauce dans les donuts, je trouve, dans les Sodebo. Un petit peu trop de sauce. Non. Les sandwichs que j'avais fait, j'ai mis zéro sauce. Si c'est la sauce, c'était l'humidité du produit. Moi j'ai senti la sauce, justement c'est peut-être pour contrecarrer le côté fade de leur pain. Et justement moi je voulais absolument la boulangerie dès les premières heures, mais je me suis levé à 5h du matin, je dis oh je vais dormir encore une heure, il est tôt. Et finalement je suis levé à 8h, je suis allé à la boulangerie juste après, plus de pain viennois. Du coup j'étais pour prendre un pain avec des baguettes, et je dis vous avez un pain bon, oui j'ai ça, ça me fait leur sandwich, assez bon. Et puis heureusement il y en avait deux pour moi, deux demi-baguettes. Eh ben. Donc j'ai pu manger mes sandwichs dans un pain qui était adapté. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ah, il y a une araignée qui me rentre dessus. Tout à l'heure, j'avais une fourmi sur le bras. Bonjour. Oui, pardon. J'étais en train de rêvasser, en train de regarder le bitume. J'ai pas vu le monsieur passer en voiture. J'étais en train de rêvasser. C'est forcément une copie, il n'y a pas la rouge. Ah. Ouais. Ouais, c'est bizarre que j'ai le sigle rouge et pas toi. Moi, c'est hôpital en fait. Parce que, à part le coup de la couleur, excuse-moi, mais je vois pas où sont les différences. Bah non, non. Justement. T'as le même harnais que moi, t'as les mêmes poches latérales. Ouais. C'est bizarre, pourquoi toi t'as pas en rouge et moi j'ai en rouge pétant en Suisse. C'est vraiment. Moi, ça fait argent, ça fait un peu joli. En plus, il est résistant, il a été testé par ton félin de salon. Oui. Ah oui. Ah, oui, bon, ça allait. Oui. Ouais. Donc, je vais souligner, il a été testé par mon félin de salon. Pourquoi? Que s'est-il passé? Pour que le sage voie mon félin et puis que son sac était testé par mon félin de salon. C'est moi qui raconte? Vas-y. Parce qu'en fait, j'avais été reçu gentiment par Nayonet. On s'était fait une après-midi de jeu de plateau. Et mon sac, je l'avais disposé, suivant son bon conseil, sur, je ne sais plus, tu avais une chaise, un tabouret. Oui, petit tabouret. Et j'avais eu le malheur de présenter la face arrière de mon sac avec les lanières côté intérieur de la pièce. Donc l'avant était contre le mur. Ce qui fait que le chat, évidemment, comme tout félin qui se respecte, entretient ses griffes et marque son territoire. Donc, dans cette disposition, Réglisse a signé de sa griffe, signé, je suis méchant, parce qu'on pourrait croire qu'il l'a vraiment marqué et déchiré, ce qui est absolument faux. Mais il a commencé à déployer sa patte sur mon sac, qui a bien résisté, donc je suis content d'avoir de la qualité. Au moins, il a fait l'objet d'un crash test, on va se dire, d'un miaou test. Ouais. Bon, ben on va reprendre la marche un peu. Attends, je vais couper l'enregistrement, on doit en être à une heure. Oui. Alors, l'enregistrement est même pas à une heure, 58 minutes et 30 secondes. C'est bien là, non? Pardon? C'est bien là, la coupure. Mais oui, on va faire une petite coupure.